Et donc vous voyez ce signe, cette observation du sabbat est d'une importance capitale. Maintenant, il est bien évident, et je veux souligner cela, que l'essentiel du sabbat, c'est pas de se présenter chaque sabbat à la porte de cette église. C'est déjà beaucoup. Mais c'est une question entre Dieu et moi. C'est un signe entre moi et eux. S'il n'y a pas cette relation d'intimité avec Dieu, alors le sabbat ne vaut pas plus que n'importe quel autre jour. Et je crois que ça, il faut le dire. C'est cette relation d'intimité qui fait toute la valeur du sabbat. Alors, si ce sabbat que Dieu a mis à part, nous le mettons aussi à part, nous marchons dans ses pas. Et j'ai envie d'ajouter, si je décide, moi, de travailler ce jour-là, c'est moi qui décide, mais je suis tout seul. Je ne suis pas l'agneau. Les autres jours, oui, je suis l'agneau, partout où il va, même dans mon travail. Mais là, je ne suis pas l'agneau. Et il n'est pas avec moi dans ce travail, il ne m'accompagne pas. Et je crois qu'il faut que chacun de ceux qui se lancent dans cette aventure avec Dieu, à la fois puisse avoir ce lien particulier avec Dieu, mais qu'il puisse aussi rencontrer un peuple, des frères et sœurs, qui partagent le même amour, le même engagement vis-à-vis de Dieu. Et alors oui, le bonheur pourra être au rendez-vous. J'aimerais souligner un dernier aspect de ce sabbat. Et on le trouve au chapitre 58 du livre d'Ésaïe. Et vous connaissez ce texte qui dit « Si tu fais du sabbat tes délices ». Eh bien, ce n'est pas facile de faire du sabbat ses délices. Ah ! Parce qu'il dit « Si tu fais du sabbat tes délices », pour retenir ton pied, pour ne pas faire ta volonté en ce jour-là. Est-ce que c'est un délice de ne pas faire sa volonté? En général, non. Et voilà que Dieu nous demande, ce jour-là, de mettre notre plaisir à ne pas faire notre volonté. C'est-à-dire de mettre notre plaisir à faire ça. Volonté. Ça peut paraître un exercice difficile. Et j'ai envie de vous dire, c'est une clé du bonheur avec Dieu. Alors voilà, après vous avoir dit tout cela, j'aimerais aborder, avec un peu de retard, c'est vrai, mais j'aimerais aborder le message du deuxième ange. Et ce message du deuxième ange va nous surprendre. Il va nous surprendre et on va le lire déjà. Il tient en un verset. Et un autre, un second ange, suivit en disant « elle est tombée, Babylone la grande. » Message lapidaire. Et je ne suis pas sûr que j'aurai assez d'une heure pour parler de ce message-là. Babylone la grande. Dites-vous que dans le texte de l'Apocalypse, c'est la première fois que Babylone est citée. On n'en parle pas du tout avant. Et la première fois qu'on en parle, c'est pour dire « elle est tombée ». Avouez que c'est curieux. Quand on nous parle du dragon, on voit ce qu'il fait et puis on va le suivre jusqu'au bout, voir qu'à la fin il est enchaîné. Pendant 1000 ans, quand on vous parle de la bête, on la voit monter, recevoir une blessure mortelle, et puis redémarrer. Quand on vous parle du faux prophète, on le voit au chapitre 13, et puis on le revoit au chapitre 19, et on en parle au chapitre 16. Il y a une histoire derrière. Et Babylone,
On n'en a jamais parlé, et la première fois qu'on en parle, c'est pour nous dire qu'elle est tombée. C'est un peu curieux. Alors, la deuxième curiosité de ce message, c'est que le premier et le troisième sont dits d'une voix forte. Celui-là n'est pas dit d'une voix forte. Et peut-être parce que c'est qu'il n'est pas encore temps de le dire d'une voix forte. Mais il sera repris au chapitre 18. Et c'est ce qu'on appelle souvent le quatrième message. Et alors ce quatrième message, lui, sera dit d'une voix tellement forte que toute la terre l'entend et que la terre entière est illuminée de la gloire de celui qui la porte. Alors, examinons cette Babylone la Grande. Le personnage de Babylone est le dernier des grands personnages qui apparaît à la fin de l'histoire. On a parlé du dragon, on a parlé de la bête, on a parlé du faux prophète, on a même parlé de l'image de la bête. Le dernier à apparaître, c'est Babylone. Mais c'est aussi le premier à disparaître. Elle va disparaître au chapitre 18. On se réjouit de sa disparition au début du chapitre 19. Et puis la bête et le faux prophète disparaîtront à la fin du chapitre 19. Satan disparaîtra au milieu du chapitre 20. Et l'ensemble des réprouvés disparaîtra à la fin du chapitre 20 et au début du chapitre 21. Donc, personnage étrange que cette Babylone, qui apparaît en dernier et qui disparaît en premier. Bien. Alors, si nous regardons à la fin, si nous regardons à la description de Babylone au chapitre 17, vous avez une description étonnante. Je vous la lis en quelques versets. C'est le début du chapitre 17. Et voici ce qui nous est dit. Puis un des sept anges qui tenait les sept coupes vint, et il m'adressa la parole en disant, « Viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité, et c'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés. Il me transporta un esprit dans un désert, et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant sept têtes et 10 cornes. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate et parée d'or et de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Sur son front était écrit un nom, un mystère, Babylone la Grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. Et je vis cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. Et en la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. Et à partir de là, la suite du chapitre 17 est une longue série d'explications de la part de l'ange qui accompagne Jean, et il va lui dire, la bête que tu as vue, c'est ça. Les os que tu as vues, c'est ça. Les cornes, c'est ça. Les têtes, c'est ça. Et la femme, c'est ça. Et alors, quand il arrive à la définition de la femme, qu'il va donner en dernier, au verset 18, il lui dit ceci. « Et la femme que tu as vue, c'est la grande ville qui a la royauté sur les rois de la terre. » C'est une femme. C'est donc un corps religieux, un corps spirituel. Comme partout dans toute la Bible et comme partout dans l'Apocalypse. Un corps religieux, mais lequel ? Et il nous est dit là, c'est la grande ville qui a la royauté sur les rois de la terre. Est-ce qu'il y a actuellement une entité, quelle qu'elle soit, qui a la royauté sur les rois de la terre? Eh bien, mes amis, je suis obligé de vous dire pas encore. Et voilà peut-être pourquoi le message n'est pas dit d'une voix forte. Oh, je ne dis pas qu'il n'y a pas des forces qui travaillent en sous-main.
Je ne dis pas que cette mondialisation-là n'est pas en cours, mais actuellement, ça n'est pas encore le cas. Est-ce qu'on peut dire que la Russie, que la Chine, que l'Inde, que tous les pays d'Europe, que les États-Unis sont sous la coupe d'une même entité? Pas encore. Par contre, ce que nous dit ce message, c'est que ça va avoir lieu. C'est-à-dire que nous nous dirigeons vers une mondialisation. Et une mondialisation d'autant plus étonnante que c'est un corps religieux, ce n'est pas un animal qui serait un pouvoir politique, mais c'est un corps religieux qui prend la tête de ce monde. Alors, si vous êtes d'accord avec moi, on va essayer de définir et de comprendre, non pas à travers ce verset 8 qui est très laconique, mais à travers les autres textes de l'Apocalypse, on va essayer de définir qui est Babylone. Malheureusement, on a trop souvent confondu Babylone et la bête. Et on a tendance à mettre le même corps religieux derrière Babylone et derrière la bête. Eh bien, le chapitre 17 nous détrompe en cela. Parce que ce que nous voyons au chapitre 17, c'est une femme, Babylone, assise sur la bête. Ce sont donc deux entités distinctes. Et d'autant plus distinctes qu'à un moment donné, à la fin du chapitre 17, la bête sur laquelle la femme est assise se retourne contre la femme, la dévore, brûle ses chairs, la brûle, la dévore et la détruit. Alors on ne peut pas raisonnablement considérer que ces deux entités, que ces deux symboles représentent la même entité. Mais alors quoi ? Alors quoi ? Alors on va essayer, si vous voulez bien, et je vous propose d'avancer. Ce deuxième message, donc le premier aspect que je soulève, c'est que ce deuxième message nous parle de mondialisation. Si je veux résumer, le premier message nous parlait de la création, bien sûr, mais nous parlait d'écologie. Voilà un sujet actuel. Le deuxième nous parle de mondialisation. Voilà un sujet actuel. Et vous vous rendez compte que ces messages ont quelque chose à dire pour notre temps. Parce qu'un gouvernement mondial, ça ne s'est pas produit souvent. Aussi, ça s'est produit du temps de Babel. Il y avait une seule langue. Et c'était apparemment Nimrod, le grand roi, le grand chef. Bien. Il y a une deuxième allusion. C'est la Babylone de Nebuchadnezzar. Et même s'il ne régnait pas complètement sur toute la terre, c'était en gros toute la terre connue ou toute la terre civilisée, et même Daniel le lui reconnaît et dit à Nébuchadnezzar, il a remis entre tes mains, en quelques lieux qu'ils habitent, les enfants des hommes, les bêtes des champs et les oiseaux du ciel, et il t'a fait dominer sur eux tous, c'est toi qui es la tête d'or. Donc, Daniel reconnaît à Nébuchadnezzar cette domination universelle. Seulement, à l'époque, il y avait beaucoup de terres qui étaient inconnues. On ne peut plus dire ça aujourd'hui. Et si donc on nous parle d'une entité à la fin des temps qui domine, qui règne sur tous les rois de la terre, il s'agit bien de toute la terre. Alors avançons dans ce domaine-là. Mais évidemment, quel symbole, quel meilleur symbole employer que celui de Babylone ? Babylone a toujours été ce symbole d'universalité. Je laisse avancer et j'aimerais maintenant vous montrer trois aspects de cette mondialisation. La mondialisation est politique, nous venons de la voir. Babylone, c'est la grande ville qui a la royauté sur les rois de la terre.
Ça nous paraît difficile pour l'instant, on ne le voit pas. Mais ça aura lieu parce que le texte le dit. Et c'est ça, il nous faut avoir confiance là-dedans. Mondialisme politique, mondialisation politique. Il y a un deuxième aspect, c'est une mondialisation économique. Oh, vous me direz, celle-là, elle est pratiquement en cours. Mais nous la trouvons au chapitre 18. Là, je vous ai parlé du chapitre 17, et le chapitre 18 va nous parler de cette mondialisation économique. Pourquoi ? Parce que nous lisons au chapitre 18, et vous, pour tout le passage est intéressant, mais au verset 11, nous disons ceci, « Et les marchands de la terre pleurent et sont dans le deuil à cause d'elle, parce que personne n'achète plus leur cargaison. » Eh bien, on se rend compte de cette mondialisation économique quand Babylone tombe. Parce que quand Babylone tombe, tout le commerce s'effondre. Les premiers à pleurer, ce sont les rois. Ils n'étaient pas mécontents que Babylone règne sur eux. Les deuxièmes à pleurer au chapitre 18, c'est les marchands. Les marchands, les grands de la terre, pas le boutiquier du coin. Les grands marchands internationaux. Et le texte nous dit, tes marchands étaient les grands de la terre. Les marchands ont toujours été assez riches à toutes les époques. Mais là, on nous dit que c'est les grands, ceux qui dominent. Est-ce que nous ne sommes pas aujourd'hui à une époque de domination de ces grandes institutions internationales qui commercent à travers le monde ? Mondialisation économique, certainement. Mais il y a un troisième aspect. Un troisième aspect à la mondialisation et auquel nous sommes peu accoutumés, c'est la mondialisation religieuse. On imagine mal, il y a simplement quelques années, qu'il puisse y avoir une mondialisation religieuse, une religion unique. Et pourtant, le texte nous avertissait. Mais par contre, cette mondialisation ne se fait pas autour de Babylone, elle se fait autour de la bête. Alors, je n'ai pas mis le texte là. Bon, peu importe. Mais vous avez Apocalypse 13, 12. Et je vous lis ce texte-là. Apocalypse 13, 12. Elle exerçait, alors il s'agit de la deuxième bête, hein, elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence et elle faisait que les habitants de la terre adoraient la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. C'est-à-dire que vous voyez là toute la terre, mais sous l'influence de la seconde bête. Toute la terre adorait la première bête. Le verbe grec qui est employé là est proskuneo, c'est-à-dire se prosterner devant, reconnaître une autorité. Alors, ce que je dis est peut-être un petit peu moins fort que adorer, mais il y a simplement le fait de reconnaître une autorité. Et donc, cette mondialisation religieuse, cette reconnaissance d'une autorité religieuse, parce qu'il y a quand même le sens d'adorer, elle se fait autour de la bête, mais sous l'influence de la seconde bête. Eh bien, ce que nous dit ce texte, et je reviendrai sur ces choses-là, c'est d'abord qu'il y a deux puissances qui montent. Vous avez Babylone et vous avez la bête. Mais qui est Babylone ? On n'a toujours pas défini Babylone. Alors, ce que nous dit ce texte est extrêmement important.
il nous dit « elle est tombée Babylone la Grande ». C'est-à-dire qu'avant même, qu'elle émerge, avant même qu'elle soit en place, le message consiste à dire « elle n'est pas la solution ». Vous avez vécu et vous avez entendu parler des difficultés économiques. Je ne sais pas quelles sont les difficultés économiques en Belgique, mais en France, nous en avons. En Grèce, vous en avez entendu parler. En Espagne aussi, ou au Portugal. Bien. Et donc, le cri unanime de tous les politiques, ou presque, a été de dire, eh bien, chaque pays ne peut pas résoudre son problème, mais on va mutualiser la dette. Vous avez entendu ce terme ? C'est-à-dire qu'on va la rendre commune. Comme si une dette plus une dette plus une dette, ah, ça faisait un surplus d'argent. Mais non. Une dette plus une dette plus une dette, ça fait une dette plus grande encore. Et vous imaginez que l'Europe va résoudre ce que chaque pays n'a pas réussi à résoudre. Je fais une étape de plus. Et vous imaginez que ce que l'Europe n'a pas réussi à résoudre, parce qu'elle est en danger, l'Europe économique. Alors c'est la mondialisation qui va la résoudre. Babylone, c'est la mondialisation. Babylone n'est pas la solution. Elle est tombée. Ce n'est pas un message politique que je vais vous donner. Mais c'est simplement pour vous dire que les hommes vont mettre leur espoir dans ce qu'ils peuvent. Ils se rendent compte que tout va mal. Ils se rendent compte que le tissu social, que le tissu économique, que le tissu politique craque de tous les côtés. Alors si on mutualise tout ça, si on essaie de voir les choses d'un peu plus haut, ça marchera mieux. Ce message est là pour nous dire non. Mais je n'ai toujours pas défini qui était Babylone. Alors, Babylone est le personnage principal de la septième coupe. Et au chapitre 16, cette septième coupe commence au verset 17. Alors je vais le lire avec vous. Verset 17 à 19. Chapitre 16. Le septième versa sa coupe dans l'air et il sortit du temple, du trône, une voix forte qui disait « ça n'est fait ». Et il eut des éclairs, des voix, des tonnerres et un tremblement de terre tel qu'il n'y avait jamais eu depuis que l'homme est sur la terre un aussi grand tremblement. Et la grande ville fut divisée en trois parties. Et les villes des nations tombèrent. Et Dieu se souvint de Babylone la Grande pour lui donner la coupe du vin de son ardente colère. Vous avez noté, elle a abreuvé tout le monde avec la coupe, sa coupe d'or remplie des impuretés de sa prostitution, et maintenant c'est Dieu qui lui donne à boire une coupe. Alors quand nous étudierons ce passage, nous verrons cela un peu plus en détail. Et toutes les îles s'enfuirent. Alors, non, un aussi grand tremblement. Verset 19. Et la grande ville fut divisée en trois parties, et les villes des nations tombèrent, et Dieu se souvint de Babylone la Grande pour lui donner la coupe du vin de son ardente colère. Et là, nous apprenons un détail essentiel qui va guider toute notre recherche dans les minutes qui viennent, c'est que Babylone, quand elle tombe, se divise en trois. Quel intérêt de nous dire, quand Babylone est en train de disparaître, de chuter, qu'elle se divise en trois. Elle ne va plus avoir de pouvoir. Ah, mais le détail est précieux. Parce que cela nous montre qu'en réalité, Babylone était composée de trois éléments principaux. Et ce texte est en train de nous dire que Babylone est un conglomérat. Voyons ça de plus près. C'est un personnage composite.
Alors, j'aimerais avec vous examiner les éléments qui vont pouvoir maintenant me permettre d'identifier Babylone. Et c'est la comparaison entre la sixième et la septième coupe qui va m'aider. Que se passe-t-il à la sixième coupe? Eh bien, à la sixième coupe, le premier élément que vous avez, c'est l'assèchement. Alors, vous le voyez au verset 12, hein, le sixième versa sa coupe sur le grand fleuve, l'Euphrate, et son eau tarit, afin que le chemin des rois venant de l'Orient fût préparé. Est-ce que le fait que l'Euphrate tarisse fait écho dans votre pensée, dans votre souvenir, à quelque chose? Eh bien, ça nous rappelle la prise de Babylone. Et vous vous rappelez sans doute que Cyrus le Grand, pour prendre Babylone, avait détourné le cours de l'Euphrate de telle manière que l'Euphrate ne traverse plus la ville de Babylone, ce qui avait permis à ses soldats de passer sous les grilles, sous les herses qui descendaient dans le fleuve et qui étaient en amont et en aval de la ville, et de prendre Babylone, de faire chuter Babylone. Vous voyez donc qu'il y a un lien direct entre l'assèchement de l'Euphrate et la chute de Babylone. Assèchement de l'Euphrate, sixième coupe. Chute de Babylone, septième coupe. Voilà qui va nous permettre d'avancer. Le deuxième élément que j'aimerais vous citer, c'est les trois complices. Quels sont ces trois complices au verset 13? Et je vis sortir de la bouche du dragon, de la bouche de la bête et de la bouche du faux prophète. Vous rappelez qui est le faux prophète? C'est la deuxième bête, celle qui monte de la terre. Elle est identifiée comme ça au chapitre 19. J'aurai l'occasion de vous en reparler. C'est-à-dire qu'il sort de dragon, de la bête et du faux prophète, c'est-à-dire des trois entités qui nous ont été décrites au chapitre 12 et 13 jusque-là. Qu'est-ce qui sort de là? Trois esprits impurs, semblables à des grenouilles. Eh bien, si nous avons trois complices à la sixième trompette, à la sixième coupe, excusez-moi, Babylone se divise en trois à la septième coupe. Je continue. Ces trois envoient des esprits de démons vers les rois de toute la terre. Des esprits de démons, Babylone en est pleine. Je vous lis le verset 2 du chapitre 18. Il cria d'une voix forte disant, elle est tombée, Babylone la grande. Mais elle est tombée pourquoi? Elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux. Vous voyez le lien? Les trois associés, ce sont des esprits impurs qu'ils envoient. Babylone, elle est pleine d'esprits impurs. Mais ce n'est pas tout. Ils envoient ces esprits impurs vers qui? Vers les rois de la terre. C'est-à-dire que leur zone d'influence, c'est les rois de la terre. Et Babylone. Mais Babylone, c'est celle qui a la royauté sur les rois de la terre. Ça commence à faire beaucoup de choses qui se font écho. Et puis enfin, ces trois-là veulent écraser le peuple de Dieu. Ah, il me faut un petit peu de temps pour vous le montrer dans la sixième coupe. Verset 15, il dit, voici, je viens comme un voleur. Verset 14, donc ils envoient vers tous les rois de la terre. Mais pourquoi? Le verset 16 nous dit, et ils les rassemblèrent dans un lieu appelé Armageddon. Pourquoi y a-t-il ce rassemblement mondial de tous les rois de la terre et certainement de leurs armées? Quel est l'objectif? Eh bien, là, il nous faut le comprendre à travers une inclusion. C'est le verset 15. Et le verset 15, c'est une béatitude
en direction du peuple de Dieu. « Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Si tous ces peuples, si tous ces rois sont rassemblés, c'est pourquoi ? C'est pour faire honte au peuple de Dieu, pour le déshabiller, pour, au sens figuré du terme, bien entendu, c'est-à-dire pour qu'il perde toute contenance. Mais qui, au bout du compte, va être déshonoré, va être mis à nu ? Eh bien, vous allez le voir. Au chapitre 'veut écraser le peuple de Dieu. Oui, alors, elle est ivre du sang des saints. Je vous parlerai de cette seconde chose tout à l'heure. Si ces trois ont pour but d'écraser le peuple de Dieu, c'est aussi le but de Babylone. Et regardez ce qui est dit au verset 6, « Et je vis cette femme, ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus, et en la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. » Et puis, ils veulent mettre à nu le peuple et lui faire honte, c'est ce que nous venons de lire au verset 15, mais qui finalement sera mis à nu ? Eh bien, au chapitre 17 et au verset 16, nous lisons « Les dix cornes que tu as vues et la bête haïront la prostituée, la dépouilleront, la mettront à nu, mangeront ses chairs et la consumeront par le feu. » Et donc, vous voyez qu'il y a là un parallèle saisissant entre ces trois complices de la sixième coupe et Babylone. Et je forme l'hypothèse que Babylone, en réalité, c'est l'association de ces trois entités. Je m'explique un petit peu. Le dragon, la bête, le faux prophète, voilà les trois entités. Mais je vous ai dit tout à l'heure, avec le deuxième message, on parle de Babylone alors qu'on n'en a jamais parlé. Eh bien si, on en a parlé, indirectement. Parce que de quoi on a parlé jusque-là ? On a parlé du dragon, chapitre 12, on a parlé de la bête, première partie du chapitre 13, on a parlé du faux prophète ou de la bête à deux cornes, deuxième partie du chapitre 13. Et avez-vous noté que toutes ces forces-là collaborent ? Laissez-moi juste vous lire deux versets. Au début du chapitre 13, nous lisons ceci. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes, 7 têtes, sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. Et la bête que je vis était semblable à un léopard, ses pieds étaient comme ceux d'un ours, et sa gueule comme la gueule d'un lion. Le dragon lui donna sa puissance, son trône et une grande autorité. Dans les bêtes de Daniel 7, chaque bête qui arrive renverse la précédente. Mais là, ce n'est pas le cas. Le dragon lui donne son trône et lui donne une grande autorité. Passage en douceur. Deuxième passage en douceur, au milieu du chapitre 13, verset 11. « Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes, semblable à celle d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence. » Et elle faisait que la terre et ses habitants adorent la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Passage en douceur. Cette seconde bête, elle prend l'autorité mondiale, mais en présence de la première. Et donc vous voyez que nous avons là, en filigrane, cette association qui se dessine. L'association du dragon, de la bête et du faux prophète. Une fois que j'ai dit cela, il me reste quand même à expliquer quelque chose que nous n'avons pas vu jusque-là, parce que jusqu'à présent, le dragon, il est éternel, le dragon pour l'instant, il ne le sera pas toujours, mais il dure depuis longtemps. Mais il représente aussi l'Empire romain. Mais l'Empire romain, il a cessé depuis longtemps, depuis 476.
Alors, le dragon, voyez-vous, et si je prends ces trois entités, le dragon, la bête qui monte de la mer et la bête à deux cornes qui monte de la terre, je vais pouvoir dire le dragon, c'est Satan. Oui, c'est Satan, mais c'est l'Empire romain, en l'occurrence là. La bête qui monte de la mer, ça c'est le système féodal, avec au centre la papauté, mais avec les dix cornes qui font partie de la bête. C'est donc l'ensemble du système. Ça, c'est la bête du Moyen-Âge, c'est la bête qui monte de la mer. Et puis la bête à deux cornes, eh bien on l'a identifiée comme étant les États-Unis. Seulement, c'est aussi un faux prophète. Et ça, c'est le versant religieux. Avez-vous noté que toutes ces entités sont toutes des entités politico-religieuses? Et donc, on l'appelle faux prophète. Maintenant, que devient le dragon? Vous rappelez-vous au chapitre 9 que c'était lui qui animait ces sauterelles qui sortaient du puits de l'abîme? Et qu'est-ce qu'on avait identifié là? Le spiritisme, la relation avec les esprits des morts qui montent de l'abîme. La bête qui monte de la mer, qu'est-ce qu'elle devient? Elle a reçu une blessure mortelle. Mais après sa blessure mortelle, elle remonte de l'abîme. Et faisons bien la distinction entre la bête qui monte de la mer, c'est la bête dans sa première phase, puis il y a la blessure mortelle, et ensuite elle s'appelle la bête qui monte de l'abîme. Et puis la bête à deux cornes, mais elle devient le faux prophète. On les voit là, nos trois associés. Concomitant, associé dans la sixième coupe, le dragon, le spiritisme, la bête qui monte de l'abîme, Rome, quelle que soit la forme qu'elle va prendre, et le faux prophète, les États-Unis ou le protestantisme américain, apostat. Je mets volontairement des désignations précises là-dessus. Parce qu'il faut que nous soyons avertis de cela. Et c'est l'association de ces trois forces, le spiritisme, le système politico-religieux européen et le système politico-religieux américain, qui tous les trois associés forment Babylone. Ai-je besoin de vous rappeler que le texte qui nous en parle est soutenu et souligné par Ellen White, qui nous dit exactement la même chose. Alors, Babel a un double sens. C'est à la fois la porte des cieux, mais c'est la confusion. Babel, c'est ce qu'on fait miroiter à nos yeux, la tour de Babel. Et que ce soit en Orient ou que ce soit en Occident, et je reçois des nouvelles de là-bas, on présente le monde à venir comme extraordinaire. Un monde où on va faire que chacun puisse décider de sa vie, que chacun participe à l'élaboration du pouvoir. Mais tout ça, c'est la fumée. C'est les paillettes qu'on nous jette aux yeux. La vérité, c'est que c'est un système oppresseur. C'est un système qui est ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. Alors j'ai envie de vous dire, ne vous laissez pas impressionner, parce que Babel, en réalité, dans le fond, à vouloir tout unir, à vouloir faire que tous les hommes rentrent dans un système de pensée ou un système religieux commun, ne peut être que la confusion. Confusion, vous le comprenez, à laquelle nous ne pouvons pas souscrire, dans laquelle nous ne pouvons pas nous insérer. Et alors arrive la chute de Babylone. Elle est reprise de l'Ancien Testament, Ésaïe déjà le décrivait, mais il y a plusieurs textes qui nous la décrivent.
Et puis, j'aimerais vous parler de son impudicité. Qu'est-ce qu'on appelle l'impudicité de Babylone ? Oh, vous avez des choses très précises et je ne ferai que mentionner les textes. C'est l'adoration de faux dieux, déjà. Vous trouvez ça dans Jérémie au chapitre 3. Mais c'est aussi l'association à des puissances étrangères, à des puissances politiques, le fait pour un corps religieux de rechercher des appuis politiques, c'est une erreur, c'est une impudicité. Une entité religieuse ou spirituelle ayant recherché avec fureur l'appui ou la compromission avec toutes les puissances politiques de la terre, ça, c'est Babylone. Mais je pourrais vous parler également de la recherche des produits financiers, de la recherche de l'appui des morts, de la recherche de tout ce qui peut l'aider. En réalité, au lieu de mettre sa confiance en Dieu, son époux légitime, ce corps religieux met sa confiance en lui. Et c'est ça qui fait sa perte. Et toutes ces recherches-là, je vous ai cité quelques versets, vous pouvez les trouver là. C'est ça l'impudicité. C'est être infidèle à son époux légitime. L'exemple de Jézabel, vous le connaissez. Elle enseignait à ses sujets l'impudicité, c'est-à-dire le fait de s'allier à des forces politiques obscures. L'exemple de Jézabel est extrêmement important. Pourquoi ? Elle était une princesse sidonienne, mais elle avait épousé le roi d'Israël. Et finalement, c'était elle qui gouvernait Israël, sans avoir l'air. Le roi officiel, c'était Akaz. Mais en sous-main, c'est elle qui faisait tout. Et c'est cela l'impudicité. C'est qu'en réalité, elle a fait faire à son époux des choses tout à fait irrégulières, vous le savez. J'aimerais vous citer l'exemple de Salomon. Vous savez que sur la fin de sa vie, Salomon a adoré d'autres dieux, qui s'est marié. Et j'ai de bonnes raisons de croire, mais je n'ai pas le temps de vous le développer ici, qu'il s'est marié à une quantité de princesses étrangères pour faire la paix, pour faire des alliances avec ces pays étrangers. On a vu ça pendant tout le Moyen-Âge. Des royautés qui cherchaient à faire des mariages arrangés pour qu'on ne se fasse pas la guerre. Le résultat de cela, je vous le montre dans le deuxième livre, dans le premier livre des rois, au chapitre 11. Et l'Éternel dit à Salomon, puisque tu as agi de la sorte et que tu n'as point observé mon alliance et mes lois que je t'avais prescrites, je déchirerai le royaume de dessus toi et je le donnerai à ton serviteur. Eh bien, ce qui va se passer avec Babylone, c'est pareil. Elle a la royauté sur les rois de la terre. Mais quand elle tombe, elle se déchire. Elle se déchire en trois. Comme le royaume de Salomon a été déchiré en deux. Pourquoi ? Parce qu'elle a adoré d'autres dieux. Elle s'est détournée de son époux légitime pour se tourner vers toutes sortes d'appuis étrangers. Et nous, qu'allons-nous faire ? Est-ce que nous allons nous appuyer sur Dieu dans notre vie de tous les jours, dans notre vie d'Église, dans ce corps religieux qu'est l'Église ? Vers quoi nous tournons ? Eh bien, je crois qu'il nous faut comprendre dans ce message à Babylone plusieurs aspects. Le premier, la mondialisation n'est pas la solution. Le fait de s'unir entre peuples pour faire avoir une même économie n'est pas la solution. Le fait de s'unir entre églises sur une base commune minimale n'est pas la solution. La solution, c'est la recherche de la vérité. Bien sûr que ça dérange, parce que ça n'est pas dans le courant commun. Et vous savez comment on apparaîtra ? On apparaîtra comme les empêcheurs de tourner en rond.
on apparaîtra comme ceux qui s'opposent à l'unité générale. Et voilà pourquoi on persécutera le peuple de Dieu. Et le reste des hommes va être anesthésié, ne va pas voir, ne va pas comprendre ce qui se passe. Il va être enivré, comme nous le dit le texte. Elle a enivré toutes les populations de la terre par son enseignement. Que Dieu nous aide à ne pas boire de ce breuvage. Que Dieu nous aide à ne pas recevoir ce message et à n'avoir qu'un but, c'est celui de regarder à Christ et de rechercher la vérité plus que le pouvoir. Parce que la recherche de pouvoir nous conduit loin de Dieu et nous rapproche de l'ennemi, alors que la recherche de la vérité nous rapproche de Dieu. Amen.